même temps qu'on produise de l'énergie pour alimenter le feu, faire les charpentes. Parce qu'en même temps, nous en France, on avait interdit ce qu'on appelle l'affouage, c'est-à-dire en forêt. C'est-à-dire d'aller chercher du menu bois pour construire des maisons et tout ça. Donc toutes les populations rurales se retrouvent sans énergie comme ça du jour au lendemain. Donc ils construisent des forêts linéaires qui ne doivent pas concurrencer leur culture. Le bocage ici, il y a 150 ans, il n'y avait pas d'herbe. C'était que des céréales. On était à l'époque du maximum démographique dans les campagnes. L'animal, c'était une richesse. Pour ma théorie, moi, sur la fabrication des talus, c'est plutôt que, comme on avait besoin d'avoir des céréales qui produisent sans être concurrencées par les racines de l'arbre, on a construit des buttes pour mettre les arbres en hauteur. Dans des secteurs, en effet, où on a de l'humidité stagnante, de l'argile, tout ça, oui, là, faire un talus pour mettre les arbres en hauteur et drainer de part et d'autre, je comprends. Voilà, nous, sur la ferme, on a une centaine d'hectares et on a environ une vingtaine de kilomètres de haies. Ben, quand j'étais jeune, on coupait encore les haies pour faire du bois bûche. Donc du bois bûche dans du noisetier qui est comme ça, on y passait un temps fou. Mais bon, on se chauffait avec, hein, tout le temps. Et puis c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, oui, on avait du mal un peu à faire du bois bûche dans le noisetier. Alors, comme on ne voulait pas les arracher, on faisait des élagages à la verticale. Ou alors on coupait et on brûlait quasiment tout. Ou alors on les laissait vieillir, comme était celle d'en haut là, tout à l'heure. Mais quand elle vieillit, ça se dégrade parce que le nombre de brins, il y a des branches qui crèvent, le nombre de brins diminue. Alors il y a des brins qui grossissent, mais les autres disparaissent. Donc en fait, en volume, on ne gagne pas. Donc on tient à conserver nos haies par rapport à l'environnement, aussi bien le côté visuel, mais aussi pour la flore, pour la faune. Depuis qu'on a vu la déchiqueteuse et les chaudières à bois déchiqueté, on s'est dit qu'il y a une filière intéressante à mettre en place. Donc avec d'autres personnes, des élus, des consommateurs, on a mis en place une filière bois déchiqueté complète. Et ce qui nous permet aujourd'hui de valoriser nos haies. Donc là, on a le stockage du copeau vert qui est amené par les agriculteurs, comme on vient de le voir avec la livraison. Donc cette livraison avec du bois qui est vert, c'est-à-dire qui contient environ 45 à 50% d'humidité. Quand on le met en tas, et plus le tas est gros et bien avec une pente bien régulière, plus il va sécher rapidement. Et donc, cette humidité va progressivement descendre de 50% à 20% avec le bois sec en 4 à 6 mois en fonction des années. Donc là, quand je me dirige vers le haut du tas, hop, alors c'est pas facile, mais on y arrive, voilà. Donc on se rend compte que toute l'humidité monte vraiment dans la partie haute. Et ici, c'est vraiment du bois qui est complètement trempé. Si j'appuie, je peux même faire sortir de l'eau, tellement l'humidité est importante. Là, on atteint quasiment les 100%.
Donc au cœur du tas, ça monte à 70 degrés. Et ça va donc sécher, comme je l'ai dit tout à l'heure, en environ 4 à 6 mois. Et on peut le réutiliser au bout de 6, 7 mois, 8 mois. Donc là, on a le stockage de la chaudière, c'est-à-dire le silo de réception où les remorques qu'on a vues tout à l'heure sous la plateforme arrivent. Donc le salarié de la communauté de communes verse la quantité de bois ici pour environ 15 jours de chauffage. Sauf quand il fait vraiment très froid, on a à peu près une semaine d'autonomie. Alors sachant qu'avec cette quantité-là, on approvisionne une maison de retraite, on a une école maternelle et primaire, donc il y a environ une soixantaine d'enfants, plus l'ensemble des locaux de la communauté de communes là, qui sont derrière. De mémoire, je crois que ça fait à peu près 800 mètres carrés. On a 5 particuliers qui sont sur le réseau de chaleur et qui sont donc alimentés en continu par la chaufferie bois. Et donc pour couvrir tous ces besoins-là, quand il fait vraiment très froid, on a juste une chaudière à gaz pardon, en secours qui vient compléter l'alimentation de la chaufferie bois. Par un système d'autres vis qui le réfractaire cette fois-ci, qui pousse le copeau par petites quantités. Ça avance tout doucement et ça va brûler au fur et à mesure. Il ne faut surtout pas amener une grosse quantité, arrêter. Donc c'est vraiment par petites touches. Parce que vous avez en plus ici, on les voit sur le côté, deux ventilateurs qui font une accélération de l'air et qui permettent de chauffer au maximum de rendement. Je dirais que tout de suite, on est encore en période de démarrage, on est en recherche d'efficacité dans le travail et tout ça, mais disons que la haie, à l'heure actuelle, ne nous coûte plus. Il faut faire attention de bien maîtriser, qu'il n'y ait pas que l'économie à tout va, quoi. Il faut être prudent aussi. Ouais. Pendant 30 ans, les agriculteurs ne se sont plus servis de la haie. Ils ont pu prélever de bois quasiment dessus. Ils l'ont fait parce que ça gênait plus la culture que parce que c'était intéressant. Donc en fait, il faut aujourd'hui leur rappeler, leur redire que ça c'est un hou, qu'il est intéressant pour telle ou telle chose, que à côté, là-bas, on va avoir un érable champêtre, on va avoir telle ou telle variété. La connaissance fera qu'on respecte plus les choses qu'on connaît. Par notre comportement, on va modifier la nature, ça c'est sûr. Par contre, je pense que si on entretient la haie, on peut allier le côté agricole avec le côté nature. Et on va garder un aspect bocager. Mais c'est évident qu'on ne va pas avoir la même faune sur une vieille haie que sur une jeune. Par contre, ce qu'il faut, c'est éviter de couper toutes les haies d'un champ en même temps. Bon, après, c'est une question de jugeote, quoi.